Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je vais vous faire rapidement un petit live là. Je vais profiter de ce moment de répit pour vous faire ce petit live. Donc vous partagerez au maximum, vous qui allez voir après. Là, je suis venu à l'aéroport Charles de Gaulle pour chercher quelqu'un rapidement là. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai une émission très très dingue. Donc voilà un peu. J'ai vu ce monsieur qui s'appelle Antoine s'attaquer à monsieur CDD en le demandant de faire son bilan, de faire un bilan. Et je me demande, il parle de quel bilan? Sincèrement, il parle de quel bilan? Parce que, vous savez, c'est ce que je dis en Guinée. Je dis, mais écoutez, pourquoi on s'attaque toujours à ce monsieur? Quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'était pas chef de l'État, quelqu'un qui n'était pas président, quelqu'un qui n'était pas à la tête de la République de Guinée. Comment peut-il oser demander à ce dernier, sachant très bien qu'il est opposant, comment peut-il oser demander à ce dernier de faire un bilan? Il veut quel bilan? Pourquoi ne demande-t-il pas? Ceux qui ont fait 11 ans aux affaires ont bilan. C'est à M. Silouda Lendjalo, on demande de faire un bilan. Je pense que ce monsieur doit encore retourner et refaire sa formation. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas se foutre de la gueule des gens comme ça. Vous demandez un bilan à quelqu'un qui n'était pas aux affaires. Et vous n'osez pas demander un bilan à ceux qui ont fait 11 ans à la tête de l'État. Vous voulez quel bilan au fait? Vous voulez qu'il vous fasse quel bilan? Hein? Vous voulez qu'il vous fasse son bilan en tant qu'opposant? Ça vous apporte quoi? Ou bien c'est une manière pour vous de vous attaquer à ce monsieur? C'est une manière pour vous de salir son image ou quoi? Parce que je ne comprends pas quand vous lui demandez un bilan. C'est comme si vous demandiez à monsieur Sidya Touré de faire un bilan. Il va faire quel bilan? Il a besoin de faire quel bilan? Bilan pour faire quoi? Vous allez faire quoi avec ce bilan? Ce bilan va vous apporter quoi? Oh non, pendant 11 ans, j'étais dans l'opposition. Pendant 11 ans, nous avons lutté pour la démocratie en Guinée. Pendant 11 ans, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ça va apporter quoi? Je pense que des propos pareils, on doit éviter. Je pense que des sorties pareilles ne sont pas acceptables. Monsieur Antoine, vous demandez à monsieur CDD de faire quel bilan? Ce bilan va vous apporter quoi? Je ne comprends pas. Demandez plutôt à monsieur Alpha Condé de faire un bilan. Demandez plutôt à ces caciques du RPG Arc-en-Ciel de faire un bilan. Comme ça, ce bilan va permettre aux Guinéens de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. C'est très important. On saura comment on a dirigé la Guinée, où l'argent est parti, où l'argent, comment on a utilisé l'argent. Tenez, les 15 milliards de francs guinéens qui ont été votés ou débloqués même pour la rénovation de l'Assemblée guinéenne, c'est parti où? On doit demander compte à monsieur l'honorable Amadou Damaro Camara. Les milliards qui ont été injectés dans la construction des barrages hydroélectriques en Guinée, ça nous a amené où? Comment ça a été? Comment ils ont dispatché cet argent-là? Les milliards qui ont été débloqués pour le bitumage des routes en République de Guinée, hein? Pendant 11 ans, la route entre Kerouani-Kankan par exemple, hein? La route entre Koya-Kindia, les milliards qui ont été débloqués, ils ont fait quoi avec? Pendant 11 ans. Pendant 11 ans, des milliards qui ont été débloqués pour le bitumage des ruyettes à Conakry, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ce sont ces bilans-là que nous devons demander à M. Alpha Condé et tous ceux qui ont fait 11 ans à la tête de notre État. Ce n'est pas à M. Silouda Lendjalo de faire un bilan. Il va faire un bilan pourquoi? Hein? Il n'était pas aux affaires. Sincèrement, ce pays-là est ridicule. Ce pays-là est ridicule. Je ne peux pas imaginer comment des gens comme vous, M. Antoine, vous pouvez demander un bilan à M. Silouda Lendjalo. Un bilan. Vous osez quand même. Vous êtes audacieux. Ça a quel sens que vous demandez un bilan, M. Silouda Lendjalo? Ça a quel sens? Ça vous apporte quoi? Hein? C'est-à-dire, cette demande-là, ça a quel sens? Ça a quelle importance sur la Guinée? M. Silouda Lendjalo va faire quel bilan, M. Antoine? C'est ce que je veux savoir. Vous attendez de quel bilan, au fait? Sincèrement,
Si moi je dois demander bilan à quelqu'un en Guinée, je dois demander bilan au système qu'Alpha Condé et ses torchons ont mis en place en République de Guinée. Je ne demanderai pas un bilan à un opposant. Monsieur Selou Dalein Diallo, il est comme vous, monsieur Antoine. C'est comme si je vous demandais, monsieur Antoine, faites-moi un bilan. Fais-moi un bilan, le bilan de vos 11 ans. Ou bien fais-moi un bilan. Pourquoi même je vais vous demander de faire un bilan, sachant très bien que vous n'êtes pas aux affaires, hein? Sachant très bien que vous n'occupez pas un poste administratif, une portion de responsabilité de notre administration. Mais pourquoi je vais vous demander un bilan? Je ne vais pas oser parce que ça ne me regarde pas. Ça ne va pas changer quelque chose dans ma vie. Ça ne va pas changer quelque chose dans le développement de la Guinée, dans le processus de développement de la Guinée. Alors je ne vais pas m'hasarder à vous demander de faire un bilan. Pourquoi vous demandez à ce que M. Selou Dalein fasse un bilan? Il va faire un bilan pourquoi? Demandez plutôt un bilan, M. Kassori Fofana. Hein? Demandez plutôt un bilan, M. Kassori Fofana. Lui qui a dit que le Chinois est mort. Bien évidemment. On doit demander un bilan à M. Kassori. On doit demander un bilan à M. Mohamed Diané. On doit faire d'abord un bilan, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bilan à titre posthume de ces gens-là. Mais on ne peut pas faire un bilan à titre posthume de M. Selou Dalein Diallo en République de Guinée. Pourquoi, surtout les 10 dernières années-là? Ok, si tu veux demander un bilan, demande plutôt un bilan de M. Selou Dalein Diallo de 2000 à 2006, ou bien du début de sa carrière en tant qu'homme d'État jusqu'en 2006, parce que c'est en 2006 on l'a éjecté de son siège de primature. Ok, si tu lui demandes un bilan pareil, il peut te faire un bilan pareil. Mais tu ne peux pas demander à M. Selou Dalein Diallo son bilan de 2010 en 2021. Non. Il va faire quel bilan? Même moi, je peux faire ce bilan-là. De 2010 en 2021, M. Selou Dalein Diallo s'est battu pour la démocratie en République de Guinée. OK? De 2010 en 2021, il s'est battu pour le respect des lois. Il s'est battu pour le respect du droit, pour la lecture du droit, pour le respect des lois en République de Guinée. Il s'est battu pour que les Guinéens vivent, pour que les Guinéens aient un niveau de vie décent. Il s'est battu pour que les enfants guinéens aient de l'emploi. Si tu veux alors un bilan. Je me demande pourquoi tu as posé cette question-là. Sincèrement, c'est franchement, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais moi je pense que ça c'est une demande qui est complètement débile, c'est sans fondement, ça n'a pas de pied, mon cher Antoine. Écoutez, il faut mettre un peu d'eau dans vos vins, je pense que c'est beaucoup plus mieux, quoi. Sincèrement, demandez la même chose à Lansana Kouyaté de faire un bilan. Il va faire quel bilan? Demandez la même chose à M. Sidya Touré. Demandez la même chose à M. Abessila. Demandez la même chose à M. Ousmane Kaba. Il va te dire, mon cher, mon frère, tu demandes quel bilan au fait? Tu veux que je te fasse quel bilan? Le bilan de ma lutte? Ah, ok, si c'est le bilan de ma lutte, je te ferai le bilan de ma lutte. Mais si c'est autre chose, tu n'as pas besoin. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite ce soir à 20h de Paris, 19h de Conakry, on va faire ce live, ok? Merci beaucoup. J'ai d'autres sujets aussi que nous allons débattre. Vous partagerez au maximum la vidéo. Et voilà, je pense que la personne que je suis venu chercher à l'aéroport Charles de Gaulle, elle est là. Et je vous fais bisous, coucou.